Bonjour! Ok. Putain, il reste encore. Je suis toujours en train de rêver du gold, hein, vous savez, normal. Normal. Mais bon. Ça me paraît chaud là, le gold en vrai. Silver sûr, c'est déjà pas mal, écoutez. Faut pas que je sois greedy. Hein. Mon build marche bien, déjà j'ai de la chance. Non mais c'était débile Naruto la dernière partie, ça serait tellement bien que ce soit fini après Pain. C'était tellement débile la dernière partie de Naruto. Alors là c'est trop cool parce que là vous voyez je maintiens, c'est pas fait exprès hein, mais je maintiens le mob en fait en dehors. Ce qui fait que alors que le mob est là, je continue de monter le truc, ça c'est très très cool. Hein. De ouf, tellement de la merde après. De ouf, de ouf. C'est du fan service quoi, mais pur et dur. Allez. Ah, il est là le perforo. Barre-toi, tu me fais perdre du temps. Oh là là, saloperie. L'empalement, vous voyez, ça fait chier. Faut vraiment qu'il fasse un truc pour l'empalement que les mobs comptent mort, quoi. Et 40 tomes, quoi. On se fait baiser, en fait, avec l'empalement, parce qu'on perd des précieuses secondes, pour le coup. Chaque seconde compte, hein. Ah merde. Putain, c'est où? C'est lequel? Ah oui, ok, c'est celui-là. Ouais, non, là, c'est trop chaud. Je sais ce qui m'attend, ça va être chaud, là. Va y avoir Duchesse, into 4 rampants, into B mode verte, et c'est à celle-ci, en fait, où je suis mort des libellules alors que j'avais tout tué. J'ai failli réussir une 12 en gold, c'était une des premières 12 que j'allais rentrer. 12 en silver, excusez-moi. J'étais au top du top, et là... Je tuais tous les boss, et là j'ai des libellules de merde, et elles m'ont buté. J'avais tellement le seum. Terrible. J'avais tellement le seum. Et je sais quel mode je peux enlever. Je peux enlever le mode du golem en fait, parce que je l'aurai tout le temps justement. Avec le moins 30%. Et je pense que j'ai du DPS, ok. Je sais ce que je vais faire. Je vais pas enlever le saignement, je vais enlever le mode du golem. Je viens de réfléchir en gros là à comment améliorer encore le build. Je vais enlever le mode du golem protecteur parce qu'en gros comme à 30% de vie, bah j'aurai le scellé divisé par deux. Il arrivera dans pas longtemps. J'aurai le bouclier pour tenir un peu et après j'aurai ça quoi. Ah, c'est un enfer. C'est un putain d'enfer.
Mais là on va être bien pour une solide silver là. Mais genre une belle silver. Pas une silver trop serrée, ouais. De temps à la con, barre-toi. Ok, Duchesse. Donc là, vous allez voir, c'est une triple série de gros boss. Ça, c'est Duchesse. Into 4 rampants. Into B mode vert. Into 4 libellules. Et on est bon. Logiquement, je vais perdre la gold à peu près. Ouais, après Duchesse, quoi. Donc j'ai quand même du boulot pour la rentrer en gold, celle-là. Il y a quand même du boulot. Hein. Mais je pense que le futel que j'ai eu va me faire un gain de DPS vraiment pas négligeable pour le coup. Putain, le séisme fait tellement mal. Tellement cool le séisme comme ça qui débuffe tout le monde. Le reload qui galère de ouf à passer, ça me fume à chaque fois. Allez, mi-life du chess, les rampants arrivent. Faut que je fasse gaffe, les fucking rampants arrivent. Le permafrost arrive aussi. Hein. Bah, donc là, on a les 4 rampants. J'essaie d'AO comme un gros sac. C'est le but, hein. Un coup de shrapnel et tout. Duchesse est quasiment tombée. Ok, Duchesse est tombée. Le gold est mort, pas de soucis. Voilà, ils sont bien paqués. Bouffez mes shrapnel, bande d'enfoirés. Merci beaucoup pour le follow, Géostigmate. Bienvenue à toi. Allez, pas mal. Voilà. Ouais, là, ils sont paqués de ouf. Ils se prennent, j'alterne hein, pour qu'ils se prennent bien tous ces shrapnel. Ok, il y en a un qui tombe. C'est beaucoup de positionnement, hein, ce build sur le. Sur le Telluric, mais qu'est-ce que c'est cool à jouer. Ok, maintenant c'est B mode vert qui va arriver, je sais pas où, logiquement ici, et les libellules, vous voyez. Ok, le B mode vert est là. Le tank NP. Je me suis mis hors champ de vision pour que les libellules soient obligées de rentrer. Les libellules de ces morts, regardez. Vous les voyez là? C'est elles qui m'ont tué la dernière fois. J'étais salé. Hein. Voilà. Le BMT est mort. Et maintenant, faut fumer les libellules. C'est des vraies saloperies, elles vont super vite, je les déteste tellement de ouf. Je vous jure, je les déteste. Hein. Quel enfer. D'une. Deux.
3. Et 4. Ok. Bah écoutez, Silver, en T13, ça me convient. C'est pas dégueu quand même. J'ai sécurisé le monument. Ouais, il manque quand même 3 minutes, c'est pas rien. 8000 ressources de capsule. C'est pas dégueu. Putain, j'ai tellement hâte d'avoir le full build segment et je pense que c'est avec le full légendaire que je pourrai aller au T15. Il me faudra vraiment, vous savez, le bonus de 7 avec les 50% des gars sur le segment pour aller au T15. Et pour ça, faut. C'est là où je farmerai le T14 en fait. Full T14 jusqu'à être prêt et je ferai tomber le T15. Mais ouais, je pense que ce build peut me permettre de finir le jeu. Hein. J'en suis même sûr. Ok. Donc, non, bah non. Non, 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 c'est de la merde. Non, non, anomalie, dégâts. Non, bah non. J'arrive pas à avoir un bon torse, ça me rend ouf. Impossible de sortir un putain de bon torse, quoi. Avec du pouvoir d'anomalie, j'ai que du PMAX, la puissance de feu, je m'en tamponne. Je veux du pouvoir d'anomalie. JPP. Quel enfer. Mais ça c'est nul ça. Et là, au cas où, hein, la communion infinie serait très bien. J'ai pensé à la prendre à la place de l'empalement pour paquer l'océisme, mais le problème c'est que comme il y a trop de mobs qui résistent à ça, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est de la merde. Non, c'est tout nul partout là. Là, c'est tout nul. Là, c'est tout, tout nul, tout, tout partout. Ok, on se barre de là, c'est le caca. Ok. Va y avoir un nouveau set de stuff. Il y a 45, ok. On en fait encore deux, je pense, et je passe ensuite sur Slormancer. Dégâts infligés. Le séisme toujours premier, le shrapnel dust toujours deuxième, l'empalement toujours troisième, vous voyez ça reste fixe. Hein. Le saignement qui fait quand même 8 millions de points de dégâts, hein, c'est pas si mal. Qui fait un peu moins de 10% de points de dégâts, mais c'est pas si mal non plus. Parce que le saignement j'utilise surtout pour me heal. N'oubliez pas que via le, pour ceux qui savent pas, via la compétence ici, la classe ici, voilà, vous recevez des soins à hauteur de 25% de dégâts de saignement. Et je mets des saignements de partout. Et j'ai mis tous les trucs qui font que le saignement, voilà, il fait des dégâts. Infligés sur les ennemis provoque voilà, des dégâts. La durée, voilà, il reste longtemps et il fait mal. Mal. Ok. Alors, est-ce que t'as ton nouveau set de stuff, Thiago? Non, Thiago, pas entre nous, mon pote. 1 heure, ok, c'est parti. Alors, voyons voir ça. Côté armes, c'est de la merde. Excellent. Est-ce que j'ai un torse pouvoir d'anomalie? Non, toujours pas. Toujours pas. Chut. Veut pas tomber le torse anomalie. Hein. Il veut vraiment, vraiment pas tomber. Hein. Juste un torse avec du pouvoir d'anomalie au lieu de bonus puissance de feu. Hein. J'arrive pas à l'avoir. Ça veut pas tomber. Ça me fume. Bon. Alors, on va donc se séparer d'un de mes mods. Je vais récupérer donc le futal ici, qui va quand même faire monter. Et si je l'équipe ici... Bah, qu'est-ce que... Ah non, je crois que j'étais dans le sac à dos. Je crois que j'ai fait les connards dans les réserves. Pantalon. Eh oui, merde. Oh, c'est la merde, ça. Voilà, donc si je l'équipe, lui, je perds pour l'instant. Ok, le double séisme et l'empalement. Sauf que... Ah oui, j'en ai aucun des deux, là. Et il faut que je puisse dégager le golem. Ok, là, donc je dégage le golem pour remettre le double séisme. Et ici, je le mets. Ouais, ah ouais, ok. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous allez comprendre. Donc, en gros, je vais donc sur mon futal ici... Boum. Je modifie ici. Je lui fais en sorte d'avoir qu'il ait le double séisme, on est bien d'accord. Ça, on s'en fout, la portée. Faudrait que j'y pense à la portée, on verra bien. Voilà. Hop là. Et là, donc, j'enlève sur les bottes le golem protecteur quand je suis pas en vie. Ça va être un peu plus ballsy, mais ça va être cool. J'enlève le golem protecteur pour faire en sorte de récupérer...
Voilà, le saignement sur empalement. Voilà. Et là, maintenant, ça devrait être pas dégueu du tout. Ok. Donc ça, non. Ça, les bottes. Ouais, pour que l'empalement fasse plus mal, on modifie. Je suis deg, ils ont patché la quête qui donne 11 légendaires. C'était un exploit de bug. Si tu t'amusais en fait à faire les chasses en boucle pour avoir full légendaire, c'est ça? Mathieu, tu parles de quoi? Là, vous voyez, ça va augmenter l'empalement. Ça va être cool. Attends, je peux le faire deux fois. Oh la vache. Ah, et c'est 24 000 ici, donc non. Et là, le futal, là, il est génial, en vrai. Là, le futal, il est tellement bien. Mais au final, j'ai pas tant besoin de ça de l'augmenter, quoi. Parce que ce qu'il faut augmenter, c'est vraiment les trucs où il y a des dégâts d'empalement ou des dégâts de séisme. La quête des Outriders, tu dois être dans le bunker. Salut, nul. Comme ça, 11 légendaires. Je l'ai faite, il n'y a pas 11 légendaires. What the fuck? Tu dois parler de l'exploit bug, toi. Et là, ouais, ça augmente encore l'empalement. Ça va être pas mal. Ok. Pour l'anomalie, voilà. Là, j'ai deux substats sur trois. Oui, non, mais c'était un exploit bug, Mathieu. Mais bon, c'est vrai que c'est logique. T'as une quête qui te file 11 légendaires. Tout est normal. Tout est normal. Bonjour, Mopfa. Tac, tac, tac. Et là, le futal, vous voyez, je peux peut-être aussi augmenter ses attributs directement parce que je sais que ce futal-là, j'aurais sûrement pas mieux. À part un légendaire, donc bon. Je me doute que c'était un bug. Et donc, tes decks, ils aient patché un bug, c'est ça, Mathieu? Juste pour être sûr de bien comprendre. Juste pour. Ah, bah non, attendez, sinon, si je vais là. Ah, non, c'est pour altération, ouais. C'est bien ce que tu me dis, Mathieu. T'es donc deck, en fait, qui a fixé un bug qui te permettait d'avoir full légendaire, donc qui détruit tout l'intérêt d'un jeu où tu l'as farmé. Hein. À chaque fois que je n'en profite, jamais, j'ai jamais le temps. Bon, allez, casse-toi. Hop là. Voilà. Je vous préviens, ça m'intéresse pas, mes gens comme ça. tac, 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 tac. J'ai très envie, vous voyez, de mettre de l'attribut pour l'améliorer de ouf, ce futal, parce qu'il est vraiment très bien. Mais si j'ai tout à l'heure le futal, vous voyez, de mon truc, ça me servait à rien, donc bon. Après, j'en ai vraiment beaucoup, ceci dit. Vas-y. Hop, hop. Voilà. Réduction de temps de recharge. Ah, c'est pas mal, hein. Putain, ça a bien monté, hein. Et là, vous voyez, j'ai dépensé le fragment, mais le futal, il est parfait. Il a tout ce que je veux, le futal. Tu continues à avoir les légendaires après tes 10 chasses? Oui. Voilà. Merci, Psycho. Ah non, mais Raptor, moi, les connards, ça m'intéresse pas. Hein. Je perds pas mon temps ici. Je perds pas mon temps ici. J'aime trop le jeu. J'aime trop passer un bon moment en stream pour laisser des tricheurs ou autres. Voilà. Généralement, les tricheurs ont généralement l'intelligence de pas s'en vanter. Pas tant. Ah, je suis deg, j'ai pas pu profiter d'un exploit bug. Les bots sont vraiment pas mal. Mais je pense pas que les attributs changeront quoi que ce soit. De toute façon, c'est ça. Donc, non. Je vais vraiment. Ouais, là, la pièce, elle est parfaite en fait. Ces jambières-là, elles sont juste parfaites. J'ai même. Là, c'est 12 000, ok. Donc là, j'ai quand même pris un joli hop. J'ai quand même pris un joli hop. Et on va voir si ça marche bien. Le fait de. À chaque fois que donc, je tombe en dessous de 30% de vie maintenant, j'aurai que le bouclier qui va me sauver. J'aurai que le bouclier pour me sauver. Espérons que ça suffise. Oui, mais ça, c'est normal, tu vois, Psycho. C'était voulu comme ça. Le reste, c'était juste du bug, quoi. D'accord, je peux pas monter ça. Hein, c'est 12 000, ouais, voilà. Donc là, ça va être un peu. Je vais faire beaucoup plus mal, mais ça va être un peu plus, ça va être un peu plus dangereux, quoi. Yes, si tout le temps, même pas. Je viens d'aller regarder. Tout le temps, toutes les. toutes les. Je cherche désespérément un torse avec du pouvoir d'anomalie et autres. Je viens d'aller regarder. Il y a un seul torse et c'est puissance de feu. Ou PMA, je sais plus, c'est puissance de feu. Voilà. Je le fais à chaque fois. C'est pour ça que j'essaie de garder. Toi, je vais garder mes capsules. Mais voilà. Salut, Nefio. Point d'exclamation patch. Ok. Tac, 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 tac. On peut daise. On peut daise, on peut daise, on peut daise. Boum. Ok, c'est parti. 15h43, je m'en fais une petite last. Allez. On tente une 14. J'ai quoi? Ah, la 13 en gold, les arcades d'Enoch. C'est celle que j'ai rentrée 13 en gold. Putain. Si je la rentre en 14, on est bien là. Allez, je la tente en 14. Logiquement. Il y a moyen que ça passe en 14 silver. Le believe. Le believe. Tiens, un gourdonnement sourd réverbéré depuis le fond de la forêt.
Salut Raptor. Non, je pourrais pas t'aider, je suis désolé. C'est les classes que je joue pas du tout pour l'instant stricteur. Bonjour Scud, bonjour GJ. Actuellement, j'ai donc deux personnes niveau max, Tectomage et Tellurique. Les deux sont. Il y en a un qui a fini le jeu, enfin qui a fini l'expédition en le T15, le dernier boss, en silver. Par contre, je l'ai pas encore tué en gold. Et avec ce personnage là, donc là tu vois, bah, c'est ma première T14. Je préviens, je vais être full focus pendant les 20 prochaines minutes, ok le chat. Je vous aime, mais je vous aime en relation longue distance. Encore plus longue distance que le stream le fait. Et ne faites surtout pas l'histoire en monde 1, Nefibo, si tu veux. Qui veut faire l'histoire en monde 1, mais... Ah, oh là là... Pourquoi? Pourquoi faire ça, Nefibo? Pourquoi? Pourquoi? Putain, quoi, mais vous voyez... Quels sont les streamers à la con qui vous encouragent à rusher l'histoire pour être exactement une game, quoi? Comment on peut être aussi con pour proposer des trucs pareils? Ouais, je suis méfiant. Super. Ah ouais, mais c'est... Pourquoi, quoi? C'est... Je comprends pas, quoi. C'est comme les mecs, toi, qui vont te dire « rusher l'histoire », mais non. Non, faites pas l'histoire. Laissez votre niveau de monde monter. Dans tous les cas, le niveau de monde, il stabilise, parce que quand vous mourrez, vous perdez le niveau de monde. C'est ultra bien foutu. Laissez votre niveau de monde monter automatiquement. Le jeu se régule lui-même côté difficulté. Il s'adapte, en fait, à votre niveau, le jeu. C'est tellement rare, putain. Tellement rare. Alors ça même pas, c'était le build était un peu cheaté, les balles, le modificateur de balles, à cause en fait d'un bug, et ça a été, c'est en train d'être corrigé justement. Ils l'ont en partie corrigé, mais c'est pas encore fini. Bah non en fait Nefio, le jeu encore une fois, s'adapte automatiquement. C'est pas compliqué à comprendre, quand tu meurs, ton niveau de monde descend. Donc ça veut dire que tu vas monter naturellement. Et quand tu vas trop mourir, ça va te stabiliser en un certain niveau de monde. Ça s'appelle un jeu en fait, c'est très rare, ça s'adapte à la difficulté. C'est fantastique, c'est une très bonne chose. Laissez faire le jeu. Il sait mieux que vous le jeu, au final, ce qui vous convient. Oui, mais c'est. Oui, mais là, c'est rien à voir avec Borderlands 3. J'ai pas fait Borderlands 3, easy. Enfin, j'ai pas assez de jeux pour savoir. Là, ça n'a rien à voir, pour le coup. Là, rusher l'histoire, en fait, c'est. Tu builds dès les premiers trucs, easy. Donc, c'est la pire idée de faire ça. Dans Borderlands, peut-être que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, je joue pas à Borderlands, tu vois. Après, si toi tu veux le faire, tu fais ce que tu veux, easy. Par contre, encourager d'autres personnes à le faire, ça, chez moi, ça passera pas, ça, je le dis tout de suite. Même pour toi. Surtout là où le jeu, tu vois, où la... En fait, le but... Il y a les histoires de niveau de monde. Joue à Outriders, easy, tu comprendras vis-à-vis des histoires de niveau de monde. Le jeu se régule lui-même en termes de difficulté et te permet de but direct. Salut Inject. Eh bah écoute, ravi que tu t'amuses. Si tu t'amuses et que tu fais quelque chose de bien, keep going. Le but, c'est ton ici. Suis ton niveau, tu veux dire? Je sais pas ce que tu veux dire. Chacun joue comme il veut. Alors, chacun joue comme il veut, oui et non, Moquette. Chacun joue comme il veut. Mais pas chacun par contre est libre de venir conseiller aux gens sur le stream, de rusher l'histoire d'un jeu et ensuite de pas du tout comprendre comment ça marche. Tu vois, c'est la différence. De ton côté, sur ton PC, tu fais ce que tu veux. Personne t'emmerde. Là, c'est mon stream. Si tu ne comprends pas la différence, c'est un problème. Tu fais effectivement tout ce que tu veux sur ton PC, surtout sur un jeu full PVE, sans aller faire les builds cassés, rusher ou autre. Bah les couilles, c'est effectivement le build suit ton level. C'est plus compliqué que ça, va voir mes vidéos ici. C'est plus compliqué que ça à comprendre.